I think abortion is the most wrong thing in the world. I can't imagine people having that choice of murdering their own child and have someone actually choosing to murder their own child. Ang abortion ay hindi dapat payagan ng mga tao at saka ng mga namumuno ng mga presidente ng mga bansa, no? Kasi ang abortion ay isang malaking kasalanan sa Diyos, no? Le message du pape sur l'avortement, c'est comment dire? C'est une proposition, c'est pas imposé. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez sauver une vie, et ben faites-le. Si vous pouvez pas, ben, de toute façon, Dieu est miséricorde. C'est ça le message d'amour. Ce qui compte, c'est Jésus et le Seigneur. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un chrétien modéré. Parce qu'on est chrétien, on n'est pas chrétien. Hein? Par contre, si vous voulez, à mon sens, hein, personnellement, je constate que le pape, si vous voulez, il transmet un message qui est tiré de l'Évangile et de la vie du Christ. Personnellement, je ne me permettrai pas de mettre de côté certains enseignements. Derrière ces rassemblements, il y a une Église qui a du mal à vivre aujourd'hui la modernité. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui par l'Église, et ça c'est occulté. Et on pourrait dire que c'est une belle vitrine que l'Église offre, mais derrière la vitrine, toutes les questions demeurent et il n'y a pas de débat. Désormais, ils vont pouvoir se réclamer, de dire, voyez, Jean-Paul II est allé accréditer ce professeur, Jérôme Lejeune, et donc le pape est avec nous.